Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrieur R contre Eneripsa, Kra ou Jinak avec des codes de 4729, 4219 et 4219. Bon, je tente des placements qui varient un petit peu de mes habitudes sur le T1. Je vais regarder un petit peu l'intérêt de placer le cadran T1 plutôt que de cop avec. Ça, c'est surtout parce qu'il y a un Kra qui va me pesanteur quasiment 100% de chance au T2. En face, on a Tyrannique, ok, ou J.O. Je pense que c'est du Kra, à mon avis c'est du Kra... Kra Tyrannique avec ou J.O. Dopu. Enfin, ou Dopu ou pas Dopu, mais en tout cas ou J.O. qui proc des Dopu avec son Tibia, quoi. Allez, c'est parti pour la percutante, let's go. On connaît, hein, on connaît. Ah, la concentration, elle m'embête un peu, tiens. Ok, bon, ça va, je prends pas trop de retrait. Donc, il reste vraiment du tyrannique, je pense. Et on va essayer de jouer vite. Est-ce qu'on peut caler un petit retrait? Oui. Tac, tac, ça c'est pas mal. On va venir des synchros. Je vais lâcher le cadran ici. Hop, je vais me mettre une prémo par là. Ou un flou plutôt. Ah, je vais quand même prémo en vrai. Jusque-là, j'avais des T1 qui étaient un petit peu toujours les mêmes, mais qui n'étaient pas très intéressants. Je vais essayer de mettre un peu plus de variété et d'essayer d'un petit peu plus exploiter les différentes variantes qu'on a sur le Xelor entre poser du cadran T1, le poser T2, mettre de la. Un peu plus de placement ou pas. Enfin, il y a plusieurs options en fait sur le Xelor. Et jusque-là, je le joue de façon un peu trop monotone, un peu toujours pareil, et qui n'est pas forcément en plus la meilleure. Donc voilà, j'ai envie d'essayer un petit peu de plus changer ça. Bon, Lugina qui est un petit peu embêté par la distance, on sent que. Ok, il ramène le Kra. Bon, on sent que le T1 en face est un peu bancal aussi. Je me sens moins seul. Alors, l'intérêt de cet early, c'est que là, je peux venir Odora tout le monde. J'ai presque envie d'avancer au taquet, mais c'est pas forcément très malin. Je vais venir comme ça, et je vais mettre un chaton par là. Hop, il y avait eu un peu de dégâts qui étaient passés. Le chaton, je vais le mettre là en vrai. C'est pas trop mal, je pense. Bon, je vais assurément me prendre une pesanteur, hein. On connaît comment ça se passe avec les Kras et compagnie. Je vais quand même essayer de pas lui donner trop gratos, mais bon, je me fais pas d'illusions. Je pense que je vais full rush avec le sacri. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir cop le Kra, hein. Ce serait le plus intéressant, mais il a des grosses récris. Ouais, à la limite, c'est presque l'ennemi le plus fragile, mais. Est-ce qu'un ennemi, c'est vraiment ce qu'on a envie de focus, quoi? Après, il y a très très peu d'esquive. Ah non, le Kra est un focus trop intéressant par rapport au stat qu'il a. Je vais mettre ça ici. Je vais perfusion tout le monde. Je vais muti. Je pense que je vais même pacte. Je maîtrise. J'ai envie d'avancer au taquet. Comme never, comme on dit. Vas-y, j'y vais. J'y vais, je m'en fous. Et là, évidemment, on vient prendre un peu de régène, se placer pour la prémo. Là, en vrai, le Kra, il va être un tout petit peu embêté pour me mettre la pesanteur, puisqu'il a pas de. Il a pas posé, enfin il a déjà posé sa balise T1 en fait. Donc il peut cinglante éventuellement la dispée maintenant. Parce qu'en fait il faut qu'il la mette là pour pouvoir me la mettre. Ah oui, ok. Oui, non, oui, comme ça marche aussi. Oui, j'ai rien dit. Bon, oui, effectivement. J'ai hésité à péter la balise, du coup j'aurais dû. Attends, c'est 3 PL, soir qu'il met en pesanteur. Ah, c'est sad. Ah, si j'avais su, j'aurais pas mis le chaton ici. Ouais, j'aurais surtout dû péter la balise en fait, j'avais un peu hésité. Mais bon, c'est ok, on a masse. Ouais, on a un peu tout ce qu'il faut pour se déplacer. En vrai, il va où le Kra? Il va là. J'ai pas une petite ligne de vue là. Mais je sais pas compter ou je suis complètement con? Ok. Pétrif, en vrai, je vais go pétrif direct. J'ai trop intérêt à la stack. Oui, non, j'ai calé comme si j'étais sur la ligne droite, en fait, j'étais sur la ligne centrale. Bon, my bad. Alors, par contre,
Ok, le Luginaire s'avance au taquet, ça c'est un peu discutable parce que là mon Eka il était en retour de chance, il était un peu embêté niveau placement. Il y va Calcaneus mais il a mis l'état proie sur le Sacri. Après j'ai la Tyrannique là. Hein. Ça peut faire mal au Tibia mais bon je pense que c'est ok, j'ai pas pris d'érosion. Bon du coup je vais éroder Lugi. Ça vaudra ce que ça vaudra, de toute façon là je suis obligé de jouer héros avec la compo qu'ils ont. Bon, effectivement ça fait quand même bien mal. Mais ça va. Je vais venir directement le double Miaouche. Je vais devoir me contre-coup. Oh non, juste me. On va voir. J'ai pas de tromperie feu. Je pense en soi qu'un tour rien, ça devrait être ok. Avec un petit coussinet. Ah non, surtout pas de coussinet, parce que je vais me proc la tyrannique. Je vais venir là. Ouais, le coussinet aurait proc tyrannique, ça aurait été terrible. Je vais simplement pouvoir venir sacrifier avec le sacri. Je m'attends à ce qu'il débuffe l'érosion. Non, il prêve, d'accord. Ouais, bon, sur de logis, de toute façon, l'héros est placé, donc ça me change pas grand-chose. J'ai encore le contre-coup en stock sur le sur les K-flip. Y a du retrait PA qui part, ou moins 7 PA il met là vraiment, c'est ma vie ça. Ok, c'est un peu triste. Faut que je regarde comment je gère mon placement. Il va me manquer un PM en fait pour faire ce que je voudrais. J'ai pas envie de sacrifier l'épée en fait. Je vais y aller comme ça. Bon, j'aurais dû mettre les sorts dans un ordre différent. Je vais venir là. Comme ça, l'épée peut le taper. Un petit crit sur la balise aurait été sympathique là. Vas-y, je vais venir comme ça. Bon, c'est quand même pas trop mal en soi. 51 tacles sur Logis, en soi il me tacle pas normalement. Moi il faut absolument que je booste mes pétris, il faut taquer non-stop. Là les cas normalement il est plutôt ok. Le Xel je l'ai bien planqué là pour qu'il prenne pas trop cher du cra. Répu, ouais. Pas convaincu. Hein. Je suis pas érodé en plus. Balise, ouais. Il me proc la Tira. Franchement, bon, j'ai vu pire. Hein. On va venir mettre. Petite désynchro, nous. Tech. Pétrif. Pétrif. Je vais même venir mettre la gélure comme ça qui me prend mon ébène mêlée. Et là, je peux y aller. Hop, je lui place l'ébène. Je mets un tour full retrait sur Lugi. Bon, il prend très peu de retrait. J'ai pas beaucoup de retrait sur mon mode. Il a 77 d'esquive. Il est encore à 10 PA. Ça me fait un peu de la peine. J'aurais bien aimé lui mettre un poil plus quand même. Bon, il continue à y aller à fond sur les K-flips. Mais j'ai pris beaucoup de régène grâce à la perfusion de mon sacri. Normalement, je suis pas trop mal. À la limite, je vais même m'occuper de soigner un petit coup le sacri. Je pense que de la bonne. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai vu mon moins 1200 là, ça doit être un petit souci d'affichage, je pense. Qu'est-ce qui se passe avec le Rox? Oula, nous avons un problème, c'était pas prévu ça. Ok, bon, c'est Lenny qui joue ensuite. Eh ben, j'ai bien fait de me mettre un pacte de sang, je suis un peu bluffé des dégâts qu'il me met. Du coup, je suis full life, mais bon. En soi, je vais y aller comme ça. Comme ça. Je vais venir bonne étoile.
C'est un peu limite, hein. C'est un peu limite ce que j'ai pris là. Bon, je vais partir en full régène du coup. Doucement, monsieur, s'il vous plaît. J'ai hésité à contre-coup, j'ai pensé que j'allais tanker, mais bon, faut quand même pas que je me surestime là, hein. Ça y va très violemment en face. Bon, j'ai encore 3 tours de mon pacte. Je pensais jamais que j'allais prendre autant de dégâts que ça. Je suis quand même bien tanky sur les modes, hein. Oh, les combos que je me suis tapé là, c'est assez fou. Je vais y aller full regen, je pense. Je vais venir supplice. On va voir dans quelle mesure je me régène. Là, c'est mon Theorycraft qui va parler. Je vais double vol de vie sur Lenny pour me régène. Je vais me muti. Et venir prendre la crocobure ici. Bon, je reprends pas mal de tankiness, mais c'est pas non plus incroyable. J'aurais pu taper le Xel, ça m'aurait mis un peu de vie sur le sacré. Bon, je pense que j'ai les outils pour tanker. Cela dit, là, il proc Ocre et Vulbis, le Kra en face. J'ai hésité avec un all-in sur Luginac aussi. Par contre, j'ai fait une énorme erreur. Ah, j'essaie d'un petit peu d'adapter mes variantes et j'ai oublié le pilori. Il m'aurait fallu le pilori là-dessus. Bon, là, en fait, j'ai voulu tester un petit peu de mes différents choix, mes différentes options. Ma question c'est sur quel match-up je mets Crocobure et sur quel match-up je ne mets pas Crocobure. Et là je me suis dit que j'allais tester Crocobure et c'est vrai que bon, contre autant de dégâts à distance et compagnie, Crocobure est quand même un choix un peu délicat quoi. Ok, ça y va comme ça. Écoutez, je vais pas me casser la tête. La 25ème heure elle est vachement intéressante quand on se prend un tour où on n'a pas le droit de jouer. C'est que je peux 25ème heure, cadran. Momif, on remet un peu de boost dans tous les sens. La pétrif est à 3 PA. Je pense que je vais la mettre au taquet. J'ai presque envie de flou, mais je me booste pour la suite. Le prochain tour, je vais pouvoir faire un gros tour. Là, il y a même un peu de retrait qui passe sur Logis, mais j'ai peur que Logis termine mon sacré en fait. Après, il peut moline. Je suis encore sacrifié ou pas? Ah, je suis encore sacrifié, je pense que j'ai plus de sacré. Hein. Après, il y a moyen que je tue Logis, ça c'est la bonne nouvelle. Peut-être que la crocobure était pas le meilleur call ici. Hein. Bon là, il n'y a plus la tyrannique avec. On respire un peu plus quand même. Et regardez ce que je vais faire. On va faire un petit craps. On va venir chercher perception. Contre-coup. Regardez-moi ça. On va se mettre là. On va prendre du double feulement. Ah, très très bien se passer. Ok, pas de crit. Ok, c'était vraiment très clean comme tour ça. Parfait. Bon, faut savoir que là le sacré il a été en difficulté, mais parce que j'ai estimé qu'il tankerait et du coup je lui ai. Ah oui, il me débuffe, d'accord. Il veut me débuff le pacte, bah heureusement que j'ai lâché la totale. Hein. Attends, il peut double débuff? Ah oui, le double débuff, le fameux double débuff de l'unitaire qui surprend. On m'a dit, tu devrais jouer unitaire double débuff, tu verras, ça surprend. Il m'a débuff le pacte. Par contre, j'ai pas perdu la vita. Ok, je perds juste la vita max, mais pas la. Ok, je me serais attendu à perdre la vitalité du pacte sur mes PV actuels, mais ça n'a pas été le cas. J'ai perdu mon pacte de sang. C'est un peu bizarre ça. Mais bon, admettons. En vrai, je pense que je le tue, hein, le logis. J'ai pas besoin. Je pense que je le tue, mais j'ai pas besoin de forcer. Je peux juste condensation. Je vais y aller comme ça. Tac, tac. Et je vais me repacte. Et là, je prends ma crocobure. C'est pas trop mal. Oui, la grosse erreur que j'ai faite, c'est. Bon, déjà, la crocobure sur ce match-up, faudra quand même que je me repose la question deux fois. Après, bon, j'encaisse, hein, mais. Et puis, j'ai des outils de tankiness sur le reste de la team. Hein. D'ailleurs, on vient d'éloquer le Vulbis.
Non, pardon, il l'avait déjà pas, le Xel avait tapé. Mais surtout, c'est le pilori. Je suis en couronne d'épines. Il m'aurait fallu pilori. Ça, c'était une erreur quand même. Hein. Je pense que par défaut, en fait, il faut que je prenne pilori. Et que je joue couronne d'épines que sur des match-ups très spécifiques, genre contre du Yop ou des trucs comme ça. Mais pilori est par défaut quand même, je pense, une meilleure option. Bon, là, du coup, j'ai un Xel un peu en mode godlike avec sa pétrif à 2 PA. Là, on va pouvoir un peu plus rire. Par contre, les gens qui me taclent, ça m'embête un peu. Ça, je vais y aller comme ça, je vais pas me casser la tête. Je pense pouvoir le tuer sans trop de soucis pour pas trop cher en PA en plus. Y aller comme ça. C'est pas ouf parce que du coup je lui enlève de les frags alors qu'il y avait le cadran derrière. Bon, là, de toute façon on a passé le kill. Lenny ne rejoue pas non plus. Oui, de toute façon là on n'est pas dans l'optique de lui mettre du râle mais bien de le tuer. Je le flamiche. Ok, on passe deux kills dans le tour. Bon. Je m'en suis pas trop mal sorti sur la gestion globale du combat. Il y avait le choix de la crocobure qui était un peu discutable sur le sacri. Je peux me remuter. Hein. Il y avait donc ça qui était pas forcément dingue. Et il y a eu le fait que j'ai pas contre-coup le sacri au tour où il a pris très très cher. J'aurais pu mettre un coup de moins sur Lugie et sécuriser plus la survie du sacrieur. J'ai été un peu surpris hein, par les dégâts que m'a mis le Lugie sur le sacrieur via le sacrifice de l'Ekaflip. Mais c'est ok. C'est ok quand même. Donc ce que je vais modifier pour les combats ultérieurs, ça va être le pilori par défaut et j'adapterai couronne d'épines selon les match-up. Et Crocobur contre Ducra, je sais pas si je vais réitérer, mais j'avais envie de tester. Je m'étais dit, je jouerai Crocobur jamais contre Ducra, mais je me suis dit, en vrai, est-ce que je peux pas me le permettre quand même? Alors merci pour la balise par contre. Parce que ça, c'est du téléfrag gratuit, ça je reconnais. Hop. Par contre, tout le monde me tacle alors que j'avais un mode avec pas mal de tacles à la base. C'était un peu le concept. Je suis un peu déçu. Mais je pense que là, on devrait plus avoir trop de soucis. GG. Bon, c'était un beau colis quand même. C'était une compo solide en face. Je continue à ajuster un petit peu ma team, hein. C'est des nouveaux modes là que je suis en train d'expérimenter, je regarde un petit peu les points faibles, les points forts, les variantes et les cas de figure différents qui se présentent à moi. On continue à prendre en main tout ça. Ok, j'ai un compte qui a été déco manifestement, bon c'est une chose qui arrive. Ok, c'est rien, c'est Dofus. Bon les amis, fin de ce colis, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.